Nous en venons au suivant, M. Bernalicis, le 93. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement, on propose que ce qui est communément appelé le RAPO, le recours administratif préalable obligatoire, en matière de sécurité sociale, soit réduit non plus, soit réduit à 15 jours et non plus à un mois, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Disons que pour que ce soit plus protecteur pour celui qui va demander un recours devant l'administration en question. Je suis sûr que vous allez me répondre qu'un mois, c'est déjà suffisamment court et suffisamment long pour que l'administration puisse organiser sa réponse. Mais c'est bien là une question de moyens que l'on met dans nos administrations. Si c'est juste une question de moyens pour pouvoir répondre en 15 jours, alors votre réponse doit être comment nous mettons en œuvre ces moyens pour être plus rapides dans les décisions qui sont apportées aux personnes requérantes. Madame la rapporteure. Défavorable, 15 jours, c'est vraiment un délai trop court. Madame la ministre, même avis. Oui. Monsieur Bernalicis, en réponse. Ouais, je me souviens d'une discussion quand même assez hallucinante sur le droit des étrangers, où 15 jours, ça vous semblait déjà suffisamment long. Ça commence à bien faire, c'est suffisamment court. Non, c'est pas suffisamment court. Ça dépend de quel point de vue on se place. Quand vous attendez une réponse de l'administration, eh ben oui, un mois, ça peut paraître trop long. Et oui, 15 jours, eh ben, ça permettrait d'être un progrès pour les citoyennes et les citoyens qui font un recours. Et donc, si la variable d'ajustement, c'est d'avoir plus de personnel dans les administrations, alors il faut embaucher. Merci, monsieur.